Yo, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo dans laquelle, voilà, je vais vous dire que je vais arrêter Fortnite. Je veux pas vraiment arrêter complètement Fortnite, mais voilà, je vais plus beaucoup jouer et les vidéos, ça va aussi diminuer des concepts Fortnite, désolé. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner et liker si c'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, donc du coup, je vais vous expliquer les trois raisons pourquoi j'ai arrêté Fortnite. La première raison, c'est parce que dans le jeu, je trouve qu'il y a trop de tryharders. Vraiment, c'est chiant. Ils viennent comme ça avec leur edit, ils te chitonnent. Tout le temps, des tryharders, je tombe. Chaque jour, je tombe contre des tryharders et moi, je trouve ça chiant. J'aime pas les tryharders, voilà. Voilà, c'est ça la première raison. La deuxième raison. Et parce que voilà, beaucoup de gens sont toxiques. Donc voilà. Comme par exemple si ils ont tué un mec, après il fait des danses, etc. Et il fait leur YouTube, des danses, voilà, tu connais. Et voilà. Donc les gens sont toxiques, c'est ça numéro 2. Et numéro 3, c'est voilà, le jeu devient ennuyant. Les mises à jour, là j'aime pas le jeu maintenant. Mais non, voilà. Avant Fortnite c'était mieux. Maintenant le chapitre 2, j'aime pas trop. Voilà, cette saison, j'aime pas. Le thème, etc., j'aime pas. Donc voilà. Voilà, c'était les trois raisons. Voilà. Et du coup, ne vous inquiétez pas pour les vidéos, je vais en chercher. Mais voilà, je vais aussi faire des vidéos sur GTA, FIFA et Fortnite sont un peu. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, partagez à vos amis et à vos ennemis, voilà, à vos cousins, à toutes vos familles. Et voilà. Et voilà, partagez la chaîne aussi. Et voilà, mettez un commentaire si c'est. Voilà. Posez-moi les questions dans le commentaire si vous avez besoin. Et moi, je vais vous laisser, hein. Ciao.